Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode du Let's Play sur Tomb Raider Legend, toujours dans la base secrète en plein milieu du Kazakhstan avec potentiellement une énigme qui nous attend. Car oui, je ne sais pas trop où aller en ce début d'épisode, alors ça en vrai... J'ai quand même l'impression qu'on peut le pousser, hein. Même si bon, il va pas aller bien loin, parce que regarde ce qu'il y a sur les rails. De nombreux obstacles. Ah, moins que... Ok. Je crois que j'ai vu notre opportunité. En poussant comme ça... Ah oui, je suis d'accord. Mais... Avec ça, on peut monter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir forcément prendre les rails? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on peut monter par ici, après on va voir du coup ce qui nous attend. Hein. C'est peut-être pas une énigme hein, en fait qui nous attend, je sais pas. Hein. Mais comment pouvez-vous être sur ce canal? Du calme, Zip. Elle a dû prendre un casque pendant qu'elle saccageait ton bureau. C'est vrai. Oui, bien vu, Lara. Et tu sais sûrement pourquoi le projet s'appelle Carbonec? C'est le château où Lancelot cherchait le Graal. C'est loin d'être la première référence au mythe arthurien. Un mythe, dit-elle. Un mot étriqué, pour une vision étriquée. Tu as toujours été si cartésienne. Tu dois te sentir à ton aise parmi tous ces bidules, Tesla, non? Eh bien, pas plus que ça, en fait. Les Russes ont activé dans la relique un pouvoir qui échappe aux esprits vulgaires, et ça les a détruits. Des alors, mutants ne fais pas n'importe quoi. Oui, je ne lâche toujours pas l'affaire vis-à-vis des mutants. Même si j'y crois de moins en moins, faut avouer. Mais moi, ah, mais ça, c'est un raccourci. Si on tombe. Alors, tu as appris le russe depuis qu'on s'est vu? J'ai pas envie de tomber, hein. Amanda? Ok. Raccroché. Mais c'était quoi son délire? Ah, c'est bien, tu vois, on a des petits détails supplémentaires. Mais elle veut éviter de tout détruire. Et une nouvelle note. T'aurais peut-être dû lui dire ce qu'elle voulait savoir? Encore moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a écrit sur cette note. Il a écrit qu'au moins une dizaine de ses collègues sont morts au cours de l'expérience. L'artefact a transformé le courant Tesla en autre chose. Une sorte d'onde de choc. Il fallait s'y attendre. Mais pourquoi ont-ils abandonné le projet? Ils n'ont pas voulu renouveler l'expérience, et quand le KGB a essayé de les persuader du contraire, les choses ont mal tourné. Ok. Alors du coup, ça, peut-être, en l'activant, effectivement, ça va attirer tous les objets et libérer la voie, non? C'est ce que je suppose. Oh, génial! C'est exactement ça! Mais ça provoque une explosion électrique aussi. Il n'est pas complètement chargé. Je ne sais pas ce qui cloche. Et comment est-ce que je le déplace si je ne peux pas le toucher? Ah, oui. Le câble de ton grappin est isolé. Ah, d'accord. Ok. Donc... On va le déplacer avec le grappin, si je comprends bien. On va voir. Hein. Alors ici, on doit être en bonne posture, je pense, pour faire un malheur. Ah oui, ça fonctionne très très bien, okay, effectivement. C'est comme ça que ça marche. Ok. Ici, pareil, on peut. Ouais, c'est bon. Ah, quoique non, je suis peut-être pas dans le bon angle. Faut plutôt être par là. Voilà. Peut-être pas être trop proche non plus, parce que... Ça fait boum boum. Alors, là j'ai un peu peur de ce que ça va faire, parce que le souci c'est que je vais être dans le passage. Pas moyen de monter. Ah non. Là, c'est forcément ça qu'il faut faire, non? Après, si je suis peut-être un peu sur le côté, ça va quand même fonctionner. Ça a l'air, oui. Ok. Et là, du coup... Les fameux câbles qui étaient en l'air la dernière fois, ils vont être dangereux. En toute logique. Donc ça va ajouter du piment à cette histoire. Et pas qu'un peu. Il va y avoir de l'électricité dans l'air. Oh, désolé, mais je suis obligé de la faire à un moment donné, celle-ci. Hein. C'est inévitable. Hop. Quoique, attends... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, là maintenant rien ne va plus, tu vois, c'est bien cela. Le noyau a dû alimenter ses câbles. Et ses rampes dans le mur sont de très bons conducteurs. Mais il faut. Oh là 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 là, faut dé. Oh là là là, oui, il faut déplacer ça comme ça. Mais ça va être casse-tête, attends. T'as vu le nombre de. Attention,
Attention. Ok, c'est bon. On va falloir faire ça pour chacun d'entre eux. Ça va être long et périlleux. J'ai pas vu encore ce qu'on se prenait comme décharge, si on se prenait une décharge, mais... La confiance n'est pas présente, hein. Ça je peux vous le dire. Ah merde, il y a l'autre. Ouais. Ah putain, il faut faire les deux du coup. Après là, tu vois, je l'ai bien fait, vu que du coup, ça se balance et ça touche jamais. C'est ça que j'aurais dû faire avant. Donc normalement, là, ça va pas toucher. Ça touche un peu, mais c'est bon. Ok, on passe quand même. Ah, mais quoi que, on est déjà arrivé là, en fait. C'est vrai que lors de l'aller, je voyais ça plus long. Mais non, en fait, on est déjà arrivé. Bon, ça va alors. On va pouvoir s'en sortir, je pense. Il y a ce dernier obstacle encore. Ok, c'est le moment. Voilà. Et donc, ceci. Ah mais il va falloir faire un combo là du coup, c'est-à-dire que bah de toute façon je suis obligé d'ouvrir ça dans un premier temps. Et après il faut que j'amène l'autre direct aussi. Hein. Ah non c'est bon, il se déplace tout seul. Ok. C'est tout facile ainsi. Effectivement c'est mieux quand il y a ce bidule derrière la porte et que moi. Hein. Et la porte est donc ouverte. Alors ça a tout catapulté, certes. Ici par contre Non, alors ici malheureusement il n'y a toujours pas de quoi faire la diff. Après je me dis, attends, ici par exemple, regarde. Ah, j'ai essayé de gratouiller hein, comme jamais, non. Ah, je vais devoir tirer un trait sur ce trésor. C'est sûr que je peux pas pousser ça. Non, d'ailleurs là je dois vraiment passer. Bon, ça passe large. Nice. Oh, tiens, un bouclier très... Chevalier de la table ronde. C'est un bouclier. 10e ou 11e siècle. Ah oui. Sûrement trouvé avec la relique qu'on cherche. On dirait les armoiries de Lancelot, non? Oh bah tiens. Oh non. Tiens, et ça? On dirait une carte. Étudiez-la bien et tenez-moi au courant. Est-ce que du coup on va vraiment aller en Angleterre après? Peut-être l'itinéraire de retour du chevalier? Que c'est le prochain. Ou alors il en possédait plusieurs morceaux. Tu crois qu'il en a planqué d'autres ailleurs? Possible, mais la carte est inutile sans preuve. Je m'en occupe. Je vous laisse. Parfait. Bon, on a une nouvelle note ici. Mort de en froid, plus d'un nouveau point de passage. Ils ont trouvé d'autres reliques mineures. Mais le pauvre diable n'a trouvé personne pour lui donner des études. Franchement, je compatis, mais pourquoi ce manque d'intérêt? Ils étaient trop contemporains pour les montagnes. Ils semblent dater du premier millénaire de notre époque. Excusez-moi, mais j'ai raté quelque chose. L'artefact que nous cherchons, il est si vieux que ça. Vu que tu me parles. Hop. Et on est donc de retour dans la salle principale, au niveau du canon. On peut donc normalement maintenant utiliser, étant donné qu'on a, oh, on a tout surchargé, hein. On se le dise. D'ailleurs, attends, eux. on va pas pouvoir faire Mumuse. Je pense que si, hein. Alors, je sais pas forcément de quelle manière, malheureusement. Eux, ça les tire pas, tu vois, vers nous. Ah, mais après, c'est vrai qu'il y avait ça. Bah oui, c'est bon. On l'a tué, là? Non. Pas vraiment. Peut-être que j'ai mal visé en soi. Hein. Ah là je l'ai eu, je crois. Attention, je me sens servir pour les éliminer, hein. Y'a pas de secret. C'est puissant quand même, hein. Il reste plus que lui, il me semble. Attends, je vois rien, mais. Enfin, je vois pas grand chose. Mince. J'ai un peu loupé là. Hein, j'arrive pas à l'avoir lui du coup. J'ai plus de projectiles je crois. Bon. Je sais ce que ça veut dire. Mais attends, ça veut dire que c'était juste utile pour la plateforme pour la mettre ici?
Quoique non, parce que... non, faudrait la décale de toute façon encore. Attends, toi, ça, je peux le prendre, non, projectile? Ouais, évidemment. En plus, ça va faire boum boum. Oh, t'es pas mort. Allez, deuxième charge. Là, c'est bon. Mais du coup, toi, je dois te déplacer encore. Je suis pas sûr que ce soit... Ah, quoique... C'est très de traviole, en fait, hein. Mais ça passe, je pense, hein. On va tenter. Ok... Ouais, si, ça va passer, du coup, parce que de l'autre côté, pareil, là, on a... Hop ! La possibilité d'avancer et d'y accéder. Parfait. Je voyais pas ça comme ça. Je pensais pas, en fait, que charger le canon était juste nécessaire pour déplacer cette plateforme-là. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc bien plus complexe. Mais en fait, le truc le plus complexe, c'était de faire tout ce qu'il y avait avant, là, avec, du coup, la surcharge de l'appareil. tout ça. Donc non, il n'y avait pas vraiment d'énigme en soi. Hein. Quoique, il fallait quand même savoir où aller. Ok, bon, bonne chose de faite, très bonne chose de faite même. Est-ce que, du coup, Amanda va être le boss de cette zone? S'il y a un boss, en tout cas. Très bonne question. Ah, ça bloque. Alors, comment on s'en débarrasse des tuyaux, là? Parce que... Il y a le prompt, possiblement, tu vois, du grappin, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre le grappin. Ah, bon... c'était plutôt le prompt que du tir, du coup. C'était donc si simple. Ah bah oui. Ah, par contre, attends, maintenant, je peux enchaîner. Ah, c'est bon, là, il s'est arrêté direct. Ok, nickel. Alors, là, par contre... là, j'ai l'impression que ça se corse un peu. Donc, c'est-à-dire que là, je vais devoir esquiver en même temps. Oh là là. Ça me paraît complexe. C'était ça. On va dire qu'on y est parvenu, hein. J'ai pas trop compris comment, même. En même temps, on s'est pris des dégâts. Allez, là, il va falloir sauter. Oh là 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 là. J'en déduis que c'est bon. Ouais. Ah bah si, en vrai, si, c'est bon. C'est totalement bon. Quoique... Un tantinet, un cul-de-sac par là. J'ai raté un truc. Là, on peut pas monter. Parce que si je retourne... Ah, quoique, attends. Ah, il y avait un autre passage. C'est fou, on bossy. Oh là, ça sent le boss fight. La salle a l'air immense. Il y a un canon encore. Enfin, un autre, du coup. Amanda, je regrette toute cette histoire. Mais nous pourrions encore... Arrête ce nous, Lara. Il sonne fou. Je crois qu'il n'y a pas d'espoir, là. Hein. J'étais seule là-dessous. Seule. Avec ça. Tu te rappelles? Je l'ai prise. Et elle m'a adoptée. Ce n'était pas une très bonne idée. Je l'ai domptée. Je l'ai faite mienne. Oh oh. Oh, mon Dieu. Oh non, Amanda. Regardez qui est de retour. Un peu plus amical. J'avais oublié ça. On s'amuse bien ensemble. J'avais complètement oublié ça. Et je m'en souviens maintenant. Elle a tué nos amis, Amanda. Elle a voulu nous tuer. Mais elle m'a sauvée une fois domptée. J'ai ouvert les yeux, j'ai su évoluer. Mais à ta place, je l'éviterai. Elle va quoi, tu sais. Ouais. Donc, pour utiliser l'expérience de Tesla pour combattre l'empoucher et récupérer la garde de l'épée. Alors, je suis d'accord, mais c'est quoi exactement l'expérience de Tesla? Je pense qu'il faut prendre le canon, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Ça, là, il m'attaque pas, mais ouais. Ah, ok. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ça lui fait quelque chose. Ça doit être ça dans un premier temps.
tout ça, ok. Très bien. Mais... là, il y a un truc à... ouais, il y a un truc à faire, mais j'ai pas vu ce que c'était. Maintenant, Lara, écarte-toi. Fallait enchaîner avec quelque chose d'autre, je crois. Hein. Bon. On va comprendre. On va finir par... ah, merde. Il s'est énervé, là, je crois. On va finir par comprendre, oui. J'espère bien. Mince. On n'a pas assez propulsé. Ça, je sais pas trop comment l'esquive, en plus, hein. Et là, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, j'arrive pas à comprendre, malheureusement, c'est quoi l'étape qui suit. Vous êtes encore avec le canon, hein, mais... qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? On a le début, mais on n'a pas la suite. C'est très clairement le mettre là-dedans, tu vois, hop. Ah, faut tirer. Hein? Ah, il y avait un truc, mais en même temps, pas vraiment. What the fuck? Ouh là 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 là. Je pense pas que ce soit compliqué, mais il faut comprendre. Parce que ça, je me demande, est-ce qu'on peut interagir avec? Oh oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est peut-être par ça qu'il fallait commencer. Je sais pas ce que ça fait en fait. Bon, on va sûrement mourir parce que là, je suis vraiment sur la phase d'expérimentation. Hein. Je sais pas à quel point ça sert, mais bon, on le fait. Hein. Celui que j'ai, ouais, celui que j'ai activé est encore activé, donc ça doit être ça. Hein. Si bien, en fait, j'ai grillé une étape. Hein. C'est-à-dire que je faisais quand même la bonne chose, mais trop tôt. Et avant, il fallait du coup activer tout ça. Et on va vite le savoir, c'est le dernier. Et donc là... Ouais. Qu'est-ce que je dois faire pour le dégager de là? Là on prend le canon, on va essayer de faire ce qu'on faisait. Hein. Viens là bébête. Ça, ça a raté, mais est-ce que c'est parce que j'ai mal lancé? On va réessayer. Je pense déjà que la première étape est validée quand même. Hein. Ça n'a pas l'air de bouger. Va revenir, Lara. Sors de l'enclos qui est important. Ouais, ça va pas très très bien fonctionner. Hein. Ah, j'arrive pas à comprendre, c'est fou ça. Plus là, j'aurais même pu le capturer tel un Pokémon. Parce que t'as ces boules là, mais bon, elles m'occupent plus que le passage qu'autre chose. Hein. Avec lui là, c'est ce que je faisais, non? Oh là 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 là. Ah, à moins que ce soit... ah, attends, 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 c'est peut-être les autres. Hein. J'ai plus de vie là, bah ouais, non. Mais c'est peut-être mieux de recommencer.
Au moins cette fois-ci, je vais pouvoir speedrun le début avec l'activation des interrupteurs, mais le problème, c'est ce qui va suivre. Oh, par contre, il a des déplacements artistiques. Je sais même pas que vous pouvez faire ça en spamant rond. Regarde, la classe. Ça nous permet un peu d'esquiver en plus ses attaques, hein. C'est pas inutile. C'est beau et utile à la fois, magnifique. Bon, en vrai, du coup, je vous réfléchis à ce que vous pouvez faire. Je pense quand même, c'est dans la logique des choses, dans la continuité, c'est un truc concernant les boules, hein. Que si on abaisse toutes les boules, c'est forcément pour faire quelque chose. Mais ça me turlupine le fait aussi que la bête, on puisse limite la stunt, même si après elle revient. Ou alors c'est juste pour être tranquille vis-à-vis d'elle. Ouais, mais sur ça, ce serait la pire des feintes en fait. Lui faire croire que c'est ça, mais alors en fait, c'est juste pour être tranquille 2 secondes, pas plus. C'est trop bizarre. Bon, attends, on va tenter, hein. Déjà de le stunt, lui. Si je peux. Voilà, j'ai raté. Ok. Putain, c'était juste ça, tu vas me dire. On pousse les boules avec le canon. Ça les met dans l'arc électrique. Ok, et... Ah oui, oui, mais bon... Oh. Ah oui, il n'y avait plus le bouclier, c'est vrai. Et pour la retirer, bah, je pense que c'est avec le grappin. Hein. Ok, bon. À mon avis, on a le truc. Par contre, elle a l'air de plus en plus vénère, la bête. Donc, dépêchons-nous. Avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, faut que on a de la marge. Hein. Je pense qu'on oublie et tout. Mais attends, mais par contre, c'est juste ça, c'est une dinguerie. Hein. Mais je crois que c'est juste ça. Hein. Mais t'es sérieux. C'est si simple. Ouais, c'est simple pour pas compris. Tu es abasourdi. T'as vraiment du bol. Tu sais ça? Je crois qu'un peu d'adresse peut aider aussi. Alistair a pu tirer quelque chose de la carte? Va me trouver extrêmement crédule aujourd'hui. Encore noyé. Tout bêtement, je prends la A5 puis la A30. Un vrai boulevard. Dites, on parie que j'arrive la première? Eh non, mais là par contre, faut vraiment débriefer ce pseudo boss fight. J'y crois pas. Comment que c'était trop simple? Mais en fait, le souci c'est que. Vraiment au début en fait j'ai cru que tout tournait autour de la bête, mais c'est logique, c'est un peu l'ennemi, tu vois, c'est le boss. En fait fallait juste activer l'interrupteur, tirer sur les boules et appuyer sur carré pour prendre le fragment d'épée. Je viens de résumer le boss fight, mais c'était que ça, hein. Wow. Bon, du coup on a débloqué des objets secrets, nanani nanana, cinématique, biographie, section de tenue, modèle d'objet. Ok. On a débloqué une nouvelle tenue, très bien. Bah même je pense deux nouvelles tenues, vu qu'on en avait deux tenues là sur ce monde. Je sais pas trop. Bon, on va continuer pour au moins voir quand même la petite cinématique d'intro du prochain niveau, même si ce prochain niveau on va le garder pour la prochaine fois. Ce sera un épisode plus court, mais je pense que c'est mieux de couper les choses ainsi. Alors, c'est donc ouais le fameux niveau de l'Angleterre, enfin. Là j'en ai pas mal de souvenirs quand même, hein. Mais bon, c'était la version DS, c'est quand même bien différent. Mais les souvenirs sont nombreux. La tombe d'Arthur. Voilà, ça va être très intéressant, je pense, au niveau du lore. On va en avoir des détails avec forcément la table ronde, les chevaliers de la table ronde. La coïncidence à l'ironie, il n'y a qu'un petit pas. Hein.
T'es sûr pour la carte? J'en ai bien peur. Un dingo a bien cru découvrir le tombeau d'Arthur ici, il y a quelques années. Mais c'était du pipeau. Et bien sûr, on a construit un piège à touristes. On peut toujours aller vérifier, non? Au moins à titre pédagogique. N'empêche, j'ai pas eu le droit à mes mutants au Kazakhstan. Quelle déception. Mes pauvres petits mutants, où étiez-vous? Soit il faut virer la femme de ménage, soit personne n'est venu ici depuis des mois. C'est très sombre. Déjà que je disais qu'il faisait sombre au Kazakhstan, alors là, dans le laboratoire là. Mais alors là, c'est encore pire. Bon, bah de toute façon, on verra davantage ce qui nous attend la prochaine fois. En vrai, on peut quand même déjà pré-shoot, au moins ce sera fait. Ce qui concerne les trésors et compagnie. Alors ouais, déjà, trésors, il y en a 9 en bronze, 5 en argent et toujours 1 en or. Introuvable, évidemment. Mais du coup, niveau données, on va y voir un peu le briefing. Alors, la carte gravée sur le bouclier du chevalier mène à une tombe qui serait celle du roi Arthur. Comme de nombreux autres sites qui prétendent la même chose, même si cette tombe avait de l'importance pour un chevalier mort depuis près de 1000 ans, elle en a aussi pour moi. Ça ferait une drôle de coïncidence, mais bon, si on est là, c'est pas pour rien. Donc, à mon avis, on est au bon endroit. Et on découvrira ça, du coup, la prochaine fois, lors du 10e épisode, mine de rien, de ce Let's Play. Et on s'approche quand même de la fin, parce que... En vrai, je sais pas exactement combien il reste de niveaux, même en comptant celui-ci, mais... On touche bientôt au but, hein. Mais en même temps, je vous ai dit que le jeu était pas bien long, donc c'est pas tant que ça étonnant. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faudra bientôt retourner au manoir des Croft. Parce que on n'a pas terminé tout là-bas, hein. Et surtout, il y a un grappin à aller chercher, donc faudra penser à y retourner, mais pas tout de suite. On a encore le temps, je pense, au moins en terminant ce niveau, peut-être même le prochain. On verra de toute façon comment que ça va évoluer lors des prochains épisodes. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu, si c'était le cas. Likez, commentez, partagez un maximum, ça me fera extrêmement plaisir. Cette petite récompense, évidemment. Bon, épisode un peu plus court, certes. On se rattrapera peut-être, du coup, la prochaine fois. Allez, bye. Tout le monde. Oh, yeah.